Hey, salut l'Indien! Salut mec! Tu vas bien? Ça va bien? Tranquille? Et toi là? Bah, ça va bien, ouais, nickel. T'as pas bien passé la journée de boulot? Ouais, un peu fatigant, mais ça va. Un peu fatigant, mais t'es prêt pour me casser la gueule? Bah Ouais, bien sûr, mec! Tu vas prendre ouais. Gandhi ou pas? C'est culturel tour 130 là, c'est parti. Culturel Tour 130, c'est parti! Et y a pas de spec, hein! Donc, il peut tout se passer dans cette game! Je te sens bien, genre, me laisser prendre un truc de Sim et prendre Mongolie, genre, on ne sait où. C'est juste pour faire le malin. Juste pour Je te faire le vois malin? faire ça, là. Tu Ouais, je te vois bien faire ça, ouais. penses que je vais faire ça? Ouais. Mec, sur le live, j'ai dit justement que je nous voyais bien pique deux cifs de sim et sim jusqu'au tour 100, 110, Ouais, 115. ça, c'est parce que tu sais que je suis sur le live, en fait. Il est trop... Il est tellement smart cet Indien. Ah, mec. Eh, ça a été ton Eh. match-up contre Chandra Gupta il y a 4-5 jours là? Complètement éclaté J'ai un peu l'autre. flippé sur la B2, mais ça allait. T'as un peu flippé sur AB2? Ouais, franchement, il a eu des bons moves, hein. Mais Ouais, c'était chaud. heureusement que c'est Azagi, quoi. Parce que n'importe Même quel genre autre joueur. les éléphants à 4 PM, là, c'est n'importe quoi. Non, mais n'importe quel autre joueur, il aurait juste lose comme un con. Ouais. Il aurait juste. Bah, je peux rien faire. Et puis c'est tout. Heureusement que, ouais, il a misclick un move à un moment. Je sais pas si vous en avez parlé après dans le débrief. Mais il a oublié de jouer justement un cheval. Il Ouais, aurait. le cave. Mais je me Ouais. doutais qu'il y avait un cave là-bas. Et du coup, j'ai Shifienta à Varus devant ma ville. Donc, je pense que ça n'a rien changé finalement. Ok, Je mais le vous voyais pas, pouvez. tu vois. Mais connaissant Azaghi, je me suis dit, t'as pas dans la ville s'il n'y a pas un truc qui arrive en plus. Ouais. Donc, j'ai Shifienta un truc à côté. Normalement, il n'y avait pas de spot pour taper, mais. Mais c'était bien hein, comment il a pris justement un petit peu le virage là. Il était sur ta Ouais. capitale et puis après il est passé sur B2 B3 assez rapidement. Oh, je Oh, voyais ça allait ça. trop vite. Ouais, Ça, c'est. ça fait trop peur. Et les caves qu'ont 6 PM là, Ah mec, secours. CAF 6 PM, c'est incroyable. Alors que toi, t'as des verrous à 2. Bah oui. T'es là, attends, il y a une grosse différence quand même. J'ai l'impression de me faire outplay, mais j'ai pas trop le choix en fait. De ouf. Enfin, laisser un varou dans chaque ville. Mais. Comment ça s'est passé quand t'as commencé à trade ces verrous? Parce que moi, quand t'as commencé à trade, c'est vrai, j'étais là, mais c'est fini quoi. C'est juste Chandra Gupta, il est mort là. Ouais, bah j'avais le pack et des EF. Non, mais bien sûr, En bien sûr. fait, quand c'est arrivé chez moi, que j'avais le général des EF et les 4 varos, je me suis dit, bon, bah c'est win, et j'ai essayé de finir un peu vite en commençant à taper dedans. Alors qu'en vrai, si j'étais. Enfin, genre, si je voulais absolument survivre, il faut juste que je me retranche et que j'en laisse un peu plus. Ouais, un peu Que plus je la partout. répartisse un peu plus, quoi. C'était malin de prendre Dim, en tout cas. Ouais, heureusement. Sais pas si j'aurais pu... Je sais pas si j'aurais fait ces Ah bah, choix-là, j'aurais perdu, hein. J'aurais perdu sans ça. Déjà, sans le trône, ouais, bien sûr. je suis à moins 5. Ouais, le trône, mec, important, hein, en vrai. En vrai. Ouais. Bon, on est parti? Bah, let's go. Let's go. Je choisis le deuxième pick. Vas-y. Voilà. Que ça c'est bon, ça Je m'en doutais, en fait. le... Voilà, c'était personne prend le deuxième pic en vrai. Moi, je prends. Toi tu prends, mais ça m'étonne pas, Fifi. On est C'est pareil. bah, on est pareil, ouais, on est Je pense pareil. que le match-up c'est plus important que le pic. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est quand tu vas prendre une petite Russie que je vais prendre l'Espagne, ça va pas te faire rigoler, hein, mec. Faut Ouais. faire te le dire. Non, en tout cas, genre il y Pardon? a le premier tournoi en V1, c'était pas trop le cas, je trouve. Mais maintenant qu'il y a à prendre pick broken, c'est un peu ça se joue un peu plus sur le match, je trouve. Ah ouais, d'accord. Parce que je faisais pareil dans le tournoi 1v1 et bah, ça m'avait plutôt réussi généralement. Donc bon, on verra en tout cas. Et bonne chance à toi évidemment. Piqué ban, je sais pas qu'est-ce qu'il faut ban, mais on est parti. Et c'est Let's toi go. qui ban en premier du coup, si je dis pas de bêtises. Yes. Ok. Donc j'ai le dernier ban. C'est l'Espagne qui ban directement. Je veux pas de ça chez moi. Tu veux pas de ça chez toi, ok, d'accord. Bon bah, on va enlever Byzance, mec. Salut la Mabille, merci pour ton prime. Parce que même si tu t'appelles Fifi, bah je t'enlève Byzance quoi. Quoi? Comment ça, Pologne? C'est quoi le problème entre Fifi et Byzance? Bah c'est que je crois que je t'ai jamais vu jouer Byzance donc. Après, est-ce que tu m'as Ah déjà vu ouais. jouer Byzance aussi? Pas sûr, hein. Mec, j'ai joué Byzance, hein. Je t'enlève le Maya. C'est étonnant. Je suis un peu surpris. Est-ce que tout était ouvert? Oui, tout est ouvert sauf. Babylone, c'est ça? Non, même Babylone. Mais Babylone est aussi ouvert. Ouais. Mec, faut juste que je traîne Babylone. Ok, Hilar qu'il a joué Babylone contre Esticos là. Et je pense que ça s'est bien passé, non?
Ça s'est pas bien passé. Ah bon? Pourquoi? Non. Ouais, il a pris des légions et il était pas prêt. Ah oui, je comprends. La légion, ça reste quand même une unité forte, quoi. Ouais, c'est bien. Et tout est open. Tout est open. Ah bah ouais, c'est fort les légions, mec. C'est une belle cive. Allez, on en parle, je t'enlève Genghis, mec. Tu veux prendre un pic religieux. Mec. C'est juste, c'est pas le bonheur. Gandhi contre Ménélik. Oh là là, Gandhi Ménélik, le retour. Gorgo? Ah ouais, Gorgo. Ouais, ouais, je comprends. Il y a les hoplites, hein, c'est dur. Hein. Alors attends, parce que là, il faut que je regarde un petit peu qu'est-ce qu'il y a. T'as enlevé la Pologne. Je ferme hein. Le stream quand même. Tu fermes le stream quand même? Ouais, quand même. Ouais, quand même. Ouais, c'est bien, c'est bien, mec. T'es gentil. Donc tu vas prendre Gandhi, ok? Ouf. De ouf. Bah de ouf, de mec. Ouf. J'enlève Gandhi. Oh. Ouais, j'enlève Gandhi. Je pense que tu l'aurais pris, mec. Gandhi, first pick, je pense c'est super safe. Je pense que c'est le meilleur pick à prendre en first pick. Ah ouais. Mec, Gandhi, first le pick. Le meilleur. Mais oui, c'est le meilleur. Ok, ok. Qu'est-ce que tu veux faire contre Gandhi? Est-ce qu'il y a un match-up négatif pour Gandhi? Il y a pas de match-up négatif pour Gandhi. Mongolie, ça fait pas plaisir. Ouais, mais on l'a enlevé. Mais je suis d'accord, Mongolie, c'est relou quand même. T'es là. Il y a encore deux bannes, hein, chacun. On est d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Bon alors dans les pics ici il y a ça, ça c'est relou mais il jouera pas ça. Robert de Bruce c'est relou. Oh non. Ah le Japon chiant. Il sait. Il est au courant. Qu'est-ce que je joue? Enfin qu'est-ce que je le banne plutôt? Mec. Ça me fait peur. Putain, je banne Gandhi, Khmer, quoi. Pas normal. Ah, j'ai oublié un pic. Heureusement qu'il y a le chat qui est là. Peut-être c'est là. Quoi? De quel pic on peut parler? Je sais pas, mec. Je vois vraiment pas là. Hein. Plus rien. Tu vois rien là? Y'a vraiment plus rien d'open là. Ouais, de ouf, mec. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir jouer? Je sais pas. Voilà. Ménélik, mec. Ouais, j'ai oublié la France, mec. Tu l'as relou, quoi. Oh, t'as oublié autre chose, mec. J'ai pas oublié autre chose. Ah, je pense pas. Ok. Bah, j'ai pique. Bah, ok. Mais c'est fort, ça, hein, mec. Ça, c'est fort, ouais, mec. C'est pas mal. Et on ne l'avait jamais vu ce match avant rien. Et c'est mardi. Ah ouais. Ah ouais. Mec, t'es pas prêt. Okay. Je pense que t'es pas prêt de prendre des lance-kits de plus 5 en achetant moi. Je préfère une petite galère, quoi. Ouais, machin. Let's go. Est-ce que ah, bon... Je t'en ai pas ça.
Ah ouais? Ah, je pensais que ça allait être je sais pas, du Russie Ménélique ou des trucs comme Ah ça. bah non mec, tu prends On Maori. allait se merder, mais. Mec, tu prends Maori, on va faire un âge d'or tour Tu 21. prends Moi, je vais pas faire d'âge d'or tour 21. Je préfère te le dire. Ça n'existera Ok. pas. Pas de menu du coup. Non, pas de menu mec, des landskips. C'est Ok. suffisant mec. Non? T'es pas d'accord? Mec, je suis full d'accord. Je suis toujours d'accord. Bah les petits bateaux. On a un remède chacun, c'est ça? Ouais. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Jamais il settle la carte Tous postale. les hommes Ouais, il a des chances, hein. Il va se settle terrestre. C'est une grosse possibilité et des chevaux. Bon spawn. Bon spawn. Bon, ça fait une petite 2-3. On aura une 3-1 derrière. Et on a la place pour notre lieu saint. Un lieu saint des landskips. Après, est-ce que lieu saint landskip, on peut arriver à faire notre âge d'or? Il y a une possibilité. Je pense que je vais faire qu'un seul scout. Parce que j'ai pas besoin de plus. Et la surprise berserk par ma terrasse. Mec, de ouf! Très très bon pic la Norvège, hein, rien. Ça met une pression religieuse, ça met une pression dominatoriale, ça fait du goal, ça fait une grosse libre-pensée normalement. À gauche ou à droite, mec? En haut, en bas. En haut, en bas? La gauche à droite. Ces soirées-là? Hein? J'ai pas l'autre, hein. Au fait. T'as pas l'aude encore? Ah d'accord, parce que moi je... Moi c'est bon, J'arrive. je vais passer mon tour. Ok. Je le fais au plus vite. Vous avez pas de problème? Mec, c'est des bonnes ressources pour un... Pour un Maori, tu dégoûtes, Ouais. hein. Ouais, tu dégoûtes. Tu m'en diras tant. Je vois de la fourrure, je vois de l'ivoire. Bon, je vois rien. On ne voit pas la minimap. C'est vrai ça. Mais comme ça, en fait, vous voyez bien qu'il faut faire un truc en ce moment. C'est que vous êtes en train de regarder ce jeu, mais il y a aussi un autre jeu à télécharger Bon, je suis dedans. qui s'appelle Red Shadow Legends. C'est très très simple. Enlevez, désactiver Adblock. Cliquez sur le lien que vous pouvez voir en appuyant sur point d'exclamation raid, ou alors vous copiez-collez le lien justement qui vous est donné par StreamElements, le petit bot qu'il y a sur le stream, et puis après vous téléchargez le jeu et vous m'aidez gratuitement à gagner de l'argent. Un peu grand le. Non, il est pas. Non, mais ça va, ça va, ça va. Ça va. On a été du bon côté, putain. On se met là, on met le sein ici. Le deuxième, s'il y en a un deuxième. C'est con qu'il y ait ça là. J'aurais bien mis un le sein là et deux ports ici. En vrai. J'ai fait deux comptes niveau 10, mobile heure 10, ça fait pris 10 minutes de cette pareille. Merci beaucoup. Et t'es sûr? Et donc du coup ça marche pour mobile? T'as vu ton nom affiché, etc.? Merci beaucoup en tout cas. Serait rigolo qu'on va arriver ici. Dommage. Là, il y a du poisson. Il hein. Y a un petit peu de poisson. Pas mentir.
Je peux me poser actuellement, mais je pense que ça sera là. Et qu'un peu plus tard ici. On fera ça, c'est sûr, déjà. Ok. Un prime, ça aide nous et l'Edge. Ah, j'ai entendu un petit bateau là. Un petit poisson. J'ai entendu, hein. Il est là. Il est là. Et je pense qu'il s'est settle costal. On va juste mettre notre B2 ici. On va chier des landscapes, hein. Déjà en train de travailler poisson. Donc il y a un poisson ici. Et il me faut la carte. Quand même. Quoi là? Pas de lieu saint finalement. Mec, sûrement pas de lieu saint finalement. Si je peux faire un monument pour avoir commercé à l'étranger plus vite, c'est bien. Salut. 5-7? Mec, c'est beaucoup. Mais 5-7. Ah, oh, on est tour 9. J'ai oublié. Le remake ou pas? Non. Non, c'est bon? Non, ça va. Toi, ça va? Bah, mec, ok alors. On va enlever l'épine. S'acheter un skip à mon avis.
Coup de tour pour les cartes. Mec. Ma merde. Oh, c'est chiant ça, mec. J'en étais sûr, putain. C'est marrant en vrai. En vrai, c'est marrant, mec.
Merde, j'ai oublié. J'ai oublié. Yeah, forgot Sandro. Yeah, 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 forgot. Je suis con, il va... Non. Fameuse game de Sim. Ouais, ça va. C'est ok.
Landscape, Religious Victory. Ouais, j'ai eu un gros lag en début de tour. Je sais pas si ça se voit. Apparemment, mec, t'es un peu D5 là, non? Ouais, je vais pas taper, Non, mais si, tu peux, mec. Merci.
peut-être me prendre la cape, hein. Ah, niveau 1. Ah, c'est chiant, ça. Oui, c'est loose. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Est-ce que je peux faire un truc? J'aurais pas assez de gold pour up. Pour un archer. Ça, c'est trop long aussi. J'ai pas bien joué mes moves. Jamais sous-estimé l'un des marrants. N'a jamais sous-estimé l'un des marrants. Suite. Un peu de suite. On va aller voir so much qui va m'arriver dans la gueule là. Il aurait fallu un petit archer. Je peux pas. Construction naval ou archer. Ouais, un petit archer pour enlever les autres archers. Pour enlever ça aussi. Salut. Oui, oui, les huiles rouges deviennent bleues. Je prends spec. Taper comme un connard, mais bon. On va essayer de faire la même chose, de rush la capitale. Thank you.
Bien joué, ça, 38. Il y a pensé. Ça, je peux faire ça.
GG mec. GG mec. Je... Alors je peux quoi dire en fait. Ouais, c'est con quand même. Le départ était pas mal pour ça. Ouais. Ouais. Je sais pas si... Je sais pas ce que j'ai mal fait. Je pense que t'as rien mal fait, mec. Je pense que t'as bien joué. Tu m'as même... Tu m'as outrace sur les trades militaires, donc... qu'est-ce que je te dise. Je... J'admerveille bien. Je t'ai émerveillé culture bien contre des landskips. T'as oligarchie, tradition militaire. 15 tours avant moi, tu me délais ma B2 de 15 tours. Bah... Je sais pas. Je pense... Bah, on dit que t'as gagné, mais je reporte comme quoi j'ai gagné. Ok. Ok, on fait ça. Oh là là. Et tu sais qu'est-ce qui m'a... Tu sais qu'est-ce qui me fait win? Shieldbuilding. Yes. Mais la petite mine d'Alanda, tu vois. Hop, que j'ai pillé. 14 de science. Ah, j'étais là, bien. Ah, c'est pour ça. Ouais, ça m'a étonné. Je me suis dit, il a son pingala déjà arrivé. Et ensuite, je vois ta 15 de culture. Donc, ça... Ouais. Ouais, petit pillage de vie, mec. Ça fait plaisir, quoi. Bien joué. Je sais pas trop ce que j'aurais... Je sais pas. À la base, je voulais pas jouer le naval. Hein. Je voulais juste, quand j'ai piqué Mori avec tapis naval, je voulais juste aller une lande dans le gris. Et puis... Je pense que c'est ce que t'aurais dû faire. Ah ouais, mais j'ai vu une merveille et toutes les cases étaient costales. Genre, c'est, je suis tombé sur la seule map où je pouvais pas faire ça. Ouais, genre, bah, c'est... remap alors. Tu vois, à côté de la. Ouais, j'aurais peut-être dû remap, mais je me suis dit peut-être avec 6 de culture, 10 de gold de gratos, tour 1, c'est ok quoi. Ah non, mais. Ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. Ouais, dans la situation, je pense que j'aurais peut-être pas remap non plus, quoi. Si j'ai remap ça, je suis là. Mais ouais. c'est trop dur en fait. C'est trop dur en tant que toute civ naval de jouer contre ça là. C'est débile as fuck. J'ai mis plus 1 de production, j'ai fait des landskip tour 10. Un truc comme ça. Ouais. Voilà, j'ai fait J'en ai déjà joué des games comme ça, mais contre la Norvège, j'avais une B2 quoi. Genre, je me suis dit là ça va, il y a un petit écart quand même. Tu devrais avoir 30 galères quand tu en as 5. Non. Mais pas tant que ça. Ah non. Tu one-turn toutes les galères avec Dieu de la Forge. Donc, moi je one-turn toutes les galères. Et elles sont bien mes galères. Ouais, bonne c'est pas mal. J'ai eu peur avec les chevaux, mec. Ouais, moi, je pensais que c'était bon. Ah bah moi, normalement, j'ai dit qu'on avait loose hein, sur le stream. Hein. 42 def. Ouais, ça va pas tomber. Hein. Ouais, bien sûr, je comprends. Et puis en plus, il y a une petite rivière qui met bien, deux marécages. C'est tout. C'est pas mal, c'est hein. Terrible. Hein. Il y a une petite colline forêt à côté, là, pour pouvoir protéger un petit peu mes unités derrière. Je suis là, nickel, mec. C'est bon, j'ai tout ce que je veux. Ouais. Merci, Kathleen. Bon, c'est pas grave, t'as perdu contre le premier au championnat français de Orléans. Ouais, voilà, c'est ça. Champion du monde aussi. Bah ouais, champion olympique aussi. Mais t'es champion olympique aussi, donc. C'est la même quoi. Champion olympique quoi. Ah bien sûr que t'es champion olympique mec. Ah ouais, oui. Okay. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, je viens de... Merci Kathleen, merci beaucoup. D'ailleurs j'avais les murs qui sortaient le tour d'après. Mais ouais. Si ça a changé grand chose. Ah je pensais que ça sortait déjà ce tour-ci moi. Parce que j'ai... Bah si, mais d'un tour à l'autre je suis passé de moins 1 à moins 4 d'activité. J'ai eu moins de prod. Ah t'es à moins 4 d'activité? À la base je les faisais en 2 tours et j'ai fini par les faire en 5. Ah merde. Pardon. Parce que ouais, moi aussi je pensais que j'étais screw. Quand j'ai vu les murs lancer, j'ai fait ah c'est mort. Ah c'est dans ma tête, j'étais là, c'est pas possible, je vais pas pouvoir passer sur les murs. Mais bah, ça, pour le coup, j'aurais pu les tech plus tôt et les avoir plus tôt du coup. Ça, ah ouais, erreur. Bah alors c'est ton erreur, t'as teché quoi en vrai? J'étais que chevaux, puis porc. Et à la fin là, j'avais cliqué caravelle un peu par dépit, je voyais pas ce qui pouvait me servir en fait. Pourquoi t'as été cliqué porc en vrai? En vrai. Wow. Je me suis dit, pour débloquer la game, il faut caravelle. Même si c'est dans très longtemps. Ouais, je suis pas sûr. Je pense que d'accord, d'abord il faut que tu sécurises de ouf. Genre qu'il y ait une galère par case, quoi. Mais il y a des trous. C'est ça qui était... Il y a des vieux trous. Moi, j'en avais une par case. Bon, j'aurais pu en mettre deux de plus, quoi, mais je pense pas que ça aurait changé.
Et des petits trous d'eau profonde, c'était terrible. Ouais, c'était bien. Hein. Putain, quand tu t'es settle sur Open Goal, t'es là, fais chier parce que je voulais settle sur à 2 € juste au-dessus. Et je me suis dit, non, ça va être trop long Ah, pour je pouvoir sais, aller sur sa cape. j'ai hésité, hein, mais je suis venu uniquement parce qu'il y avait une jungle. Une Ok. jungle et que du coup j'avais le spam B plus rapide. Ah, c'était bien joué. Hein. C'était un peu greedy, mais c'était bien joué. Hein. Très léger, hein, le grid. Parce que normalement, Ouais. oui, tu te settles en haut, quoi. Même si j'ai lost. Le putain de supprimer de forêt tropicale, Je ça me compte beaucoup, quoi. suis dit c'est marrant aussi. Ouais, de ouf, mec, c'est marrant. Ah, Je c'est me suis marrant, dit quand on même. est à 10 cases, les chips vont arriver beaucoup plus vite que prévu. Faut que je limite un certain truc. Et puis après, je me suis dit, mec, je vais mettre juste un petit lieu saint. Et puis en fait, je vais faire une religieuse passivement. Je vais juste faire ça, ça peut me faire chier. Le 5. Ah, le 5, quand tu m'as pillé, j'étais là 40 à 38. Mon Mec, dieu. j'avais même un petit général dans deux tours là. T'avais un général en 2 tours. Ouais, mais mec, t'abuses toi aussi. Mais c'est too much. Ah, mais en fait, j'ai l'impression de rien pouvoir faire sur le naval, genre juste à part faire des galères. Je vois pas comment je peux me mettre mieux. Du coup, j'ai juste stocké des trucs qui vont me Chevaux. sortir de là dans 30 tours. Chevaux, c'était bien. Chevaux, j'ai eu une petite goutte hein, en mode. Ah, il va même me prendre ma cape en fait. Genre, je vais pas cesser, il va prendre ma cape. C'était le plan. J'étais là, fais chier, fais chier quand même. Après, 42 def, un guerrier, j'étais là, allez, ça tient. Mais à un moment, Oh là là, l'œuf de Longship. je suis à 7 tours. À un moment, je suis à 7 tours construction navale et archerie cumulée. Je pille la mine, bim bim, les deux techs sont faites. Ouais. Nickel. Ouais. Ouais, et c'est ça qui a joué. Hein. Bon bah Coup GG dur. mec. GG. Tu fais le training ce soir avec Barking Gang? Game de sim. Belle game de sim. Mais t'as pas voulu Belle aussi. game de sim. Mec, t'as pas voulu. T'as pas remap. Alors que tu m'avais vu en plus. J'ai pas voulu. Tu m'avais vu avant le Non, tour 8. à la base, je voulais absolument, genre, peu importe le spawn, je voulais aller inland et faire des poneys. Mais là, je me. Tour 1, je vois le settle en 1-1, en 1-1-2-4, avec deux poissons. Je vois des 1-4, je vois des 2 de culture partout. Et j'ai le first smith sur un Irlanda tour 1. Ouais, c'est bien ça, hein, quand tu joues coupé, Donc hein. je me suis dit, bon. Si je Je perds la game d'après, je m'en veux quoi. comprends, ouais. Si t'avais été un peu plus loin sur la flotte, ça aurait été mieux, pour moi. Ah ouais, moi je te vois tour 6. Ouais. Ah, je suis là, je vois tes frontières et tout, je suis là, bah attendez, là, je suis à moins de 10 cases de la cape. Je pense qu'on a gagné. Moi dans ma tête, j'avais gagné. Hein. Quand j'ai vu le setup, j'étais là, comment il fait en fait? Même s'il va pouvoir one turn des galères, je one turn des galères. En fait, il y a un moment où c'est moi qui vais gagner quand même. Putain, c'est. Et Open Go, pouh! Le guerrier en plus, j'ai oublié le Shift Hunter, Sandro, il est là en train de me trash talk dans le chat. Là, oh non! Non. Oh non, carrément, oh non! Ah, c'était dur. Mais bon, voilà le match-up, hein, le second pick, mec. Ouais, bah ouais, c'est ça, hein. C'est ça de ouf, hein! C'est uniquement ça, mec. C'est uniquement ça! Et j'espère que ça continuera pendant longtemps. Voilà. Bon, sinon, parlons peu, parlons Garde la bien. ceinture. Ouais, je garde la ceinture du gras, mec. Parce que je suis gras en ce moment. Donc, ceinture du gras. Si, je suis full gras, mec. Tu verras ça à l'IRL, je suis full gras. Ah, je vais à ça. Bon, Donc parlons peu, parlons bien. Est-ce que t'as DL, Red Shadow Legend? Mec, c'est simple. T'appuies sur point d'exclamation, Red, sur le chat. Il y a un petit message d'accueil. Ouais, téléchargez machin, c'est gratuit sur PC, c'est pour aider Gaston. Tu cliques, tu désactives c'est pour aider Adblock. Gaston. C'est pour aider Gaston, mec. Il y a une nouvelle page qui s'affiche, navigateur internet, blablabla, blablablu. Tu télécharges le truc, tu télécharges Plarium. Après, ça télécharge le jeu gratuit. Après, tu fais 10 niveaux sur le jeu dans ta ville. Et bim, le contrat est validé. Et à partir de là, Oh. je suis super content, mec. Voilà. Ouais, C'est tout. on y pense. Et ça me permet d'acheter plus de viande pour l'IRL. Mec. Ah. Ah, plus de viande et plus d'alcool pour l'IRL.
Si tu peux... Il y a Xephi qui me demande si tu nous paies un petit ticket à Barking Bank pour l'IRL. Mais bien sûr! Mais bien sûr! Okay, c'est-à-dire okay, que okay. Toutes les personnes qui font ça, moi je vais je vais taper Red. Mec, je offre le petit Tiki pour, pour la summer party, y a pas de souci par rapport à ça. Je me ramène avec mes 6 bouteilles, aucun souci. Bonjour Under, j'espère que tu vas bien. C'est bon, j'ai tapé Red. Ah là là, il est beau, regardez-le, il est dans le chat, Firsos, faites comme lui. Tapez point d'exclamation Red. Et je vais dire à mes coéquipiers que je suis dispo, en fait, aujourd'hui. I am available. It's okay. Alors non, je vais pas payer les vacances, mais je payerai le tiki, ça c'est sûr et certain. Comment s'est fini le duel? Mal. C'était une des meilleures games possibles, en fait. Je m'étais de beaucoup de choses, mais pas à ça. Hein. Ah ouais? Ah ouais. T'avais commencé à plane un petit peu le 1v1 en vrai? Genre, t'étais au travail aujourd'hui? Pas du tout, gros. Ah, non, okay. je pensais que t'allais, je pensais que t'allais prendre le second pick et que du coup t'allais ban Maya coupé, Basile. Et qu'ensuite on allait jouer. Et se couper, du coup, bah je prends coupé. Bah ok. Du coup. Je pense que c'est genre. Sur n'importe quel autre. Enfin, je sais pas. Mais non! J'ai pas envie d'être de mauvaise foi. Mais j'ai l'impression que c'est pas un très beau match-up pour la Norvège si juste je me mets une land. Bah non, parce que tu te mets une land là en face de moi, qu'est-ce qui se passe? Bah c'est moi qui scale. Bah non, c'est moi qui scale, toi tu scales 0. Tu fais quoi? Bah moi j'ai full prod. Ok! Ok, moi mais j'ai. Tu... Ok, moi j'ai bah des oui, ports. Moi j'ai. Bah j'overscale en science. Parce que t'as pas l'âge mec... d'or. Pas faire l'âge d'or. Mais si, je peux faire l'âge d'or. Je pouvais faire full l'âge d'or. Si, je pouvais! Je pouvais faire l'âge d'or! Mec, je pouvais faire l'âge d'or. J'ai un lieu simple, plus 4, j'ai un landskip. J'étais à 15 sur 19. Si, mec, avec le tour du monde Maori, en général, on l'a pas. Mais, mec. Là, je l'ai eu uniquement parce que j'ai cette une merveille tour 1. Mec, je te jure, j'aurais pu l'avoir. Ok. 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 Donc, et puis même, si je l'ai pas, je m'en fous en vrai. En vrai, c'est pas grave. Je pars du principe que. J'ai une série avec des bons bonus, beaucoup de prod, okay. J'ai l'âge d'or et la Norvège l'a pas, et du coup tu dois sim avec une Sif Coastal sans menu. Mais en fait, dans 95% des cas, pour moi, en fait, tu vas être en face de moi dans le match-up Norvège-Maori. Tu vas être en face de moi, tu vas être sur l'autre côte, entre guillemets, ou alors tu vas venir sur ma côte, et je vais te voir genre tour 6, et je vais faire, bah non, remap, parce qu'il est inland, il va m'envoyer des chevaux, tu vois. Ouais. C'est ce que je pense, donc du coup, t'es en face de moi, t'es inland. Bah je pense que tu peux plus prendre des settle coastal et que t'es de l'autre côté de la map, il va falloir que tu viennes me chercher. Moi dans 40 tours j'ai des berserkers. Ouais mais j'ai des berserkers moi. Ok. Non mais ça se défend. Ah bah ça même, je pense que ça t'explose les gueules. Genre, ah mais mec, t'as testé le berserker? J'ai testé le berserker mais j'ai aussi vu des... Enfin j'ai aussi fait des Norvèges âge sombre, ça faisait pas plaisir. Ah ouais. Allez, en âge plus, normal, tu... Ah, âge normal, ok. Parce que âge sombre, je pense que ça fait très très mal. Mais je suis d'accord avec toi, hein. Âge sombre, ça fait pas plaisir, mais j'ai envie de te dire, tu t'en fous un peu. Berserker, c'est pas très loin à aller chercher. Si le mec, il settle le coastal inland, bah t'as pas besoin d'aller chercher des tech inland. Donc voilà. T'as juste à faire un peu de foie, tu poses tes lieux sains, tu vas voir un petit tabac de foie. Je pense que... Tu vas acheter je tes berserkers. Que peu importe où je suis, je fais 5 poneys général et je resettle. Okay. Et l'investissement que tu dois mettre en tant que Norvège pour défendre ça, alors que t'essaies de sim en âge normal. Mais tu fais un campement, etc. et tout ou pas? Non, regarde, la carte. Donc du coup, on a tous les deux en général. Ouais. Donc déjà, ça s'annule. J'ai défenseur de la foi. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu, mais ok. Moi, je pense que c'est le meilleur match-up pour la Norvège. Hein. T'as gagné, donc. C'est genre, t'as, une... t'as. Pardon? J'ai gagné, donc t'as sûrement raison. Non, mec. Non, mais là, on essaye d'imaginer oui. Justement dans des autres match-up, etc., comment ça peut se passer. Mais. Bah, en fait, j'ai pas peur du Maori en first pick parce que je me dis que j'ai la Norvège. Mais peut-être que la prochaine game, bah, le mec, il prendra encore Maori first pick. Je reprendrai la Norvège et il me fera exactement ce que tu dis et j'arriverai pas à défendre. Donc. Voilà, ça me fera plaisir. Bah, là, ça te fera plaisir. Je suis d'accord, mais sur des maps comme ça, regarde. Enfin, imagine les settles. Genre, je pose au Pango, j'ai Nidaros, et puis on va dire que j'ai une autre ville. Peut-être Stavanger, mais
Déjà, j'ai ma B2, ma B1, ma B2, c'est Opongo Nidaros. Ouais, je pense c'est difficile de prendre ces villes, hein, même avec Général Cavalier. Hein. Je sais pas. Yes. Ouais, je sais pas. Je sais pas, on sait pas en fait. Je sais pas, on est juste des cons. Et merci aux personnes qui sont en train de télécharger le jeu. Est-ce que t'as dit merci? Est-ce que t'as dit merci à Kathleen sur le chat? Merci. Merci, merci Firsos de dire merci à Kathleen qui a offert 10 abonnements juste avant et je ne l'avais pas forcément vu. À Montesquieu, à Takezo 6, à Badirou, à Gabs, à Seafox, à 94 Gonzo, à Absolute G, à Pandoruxy, à La Cacahuète et à ZZALD. Donc merci à Kathleen pour ces 10 subs. Ça fait extrêmement plaisir de voir du soutien, voilà, de la part d'amis. Voilà. T'es en train de télécharger OP Red Shadow Legend, non? On y pense. On y pense. Pour le tiki. Super. J'aurais dû te laisser win, je pense. T'aurais été là, t'aurais été trop bien. Bon, tu joues ce soir ou pas? Je sais pas si je peux. Bah là, tu peux maintenant. Ce serait bien. J'avais dit que je pouvais pas, donc ils ont sûrement prévu une team sans moi. Moi, j'avais dit que je pouvais pas, mais ils étaient pas assez du coup. Ah bah. Nous, on est régulièrement assez. Hein. Ouais, ça, j'ai cru comprendre. Donc du coup, je vais reporter le 1v1. Ok. Ouais, bah, vas-y. Tu voulais prendre Gandhi ou pas? Du tout. Non. Non. Ouais. Non, pas en first pick. Pas en first pick? Mais pourquoi? Non, jamais. Mais attends, mais pourquoi? Je comprends rien. Il y a trop de civs meilleurs. Mais mec, en first pick, c'est trop bien. Tu peux pas te faire counter match-up quand il n'y a plus Espagne et Mongolie? Okay, je l'ai pris contre avec Zagi pour avoir un anti-Varou. Et pour être sûr de pas me faire arnaquer par une côte de merde, tu sais, genre... Après Zagi, j'ai eu 6 fois d'affilée dans les 1v1 des péninsules. Ok. À chaque fois, je prenais des stifs de guerre pour pas me faire éclater. Du coup, c'était pas marrant. Non, mais il est pas marrant, hein. Il est pas marrant. T'étais numéro 3, numéro 5. Numéro 5, c'est ça? Okay. Victoire par domination. Tour combien? 39, je crois, non? Tellement dominant. 39, je crois. Je vais mettre 39. Comme ça. Peut-être que je dois resettle des villes. Je sais pas. Tu penses que tu dois resettle des villes? Il y a combien de tours ton colon? J'ai pas le temps. Bon, je sais pas. Pas longtemps au début. Hein. 3, okay. 3 tours? Ouais, sûrement. Moi, je trouve au début, t'as bien joué. Hein. C'est la fin, c'est quand j'ai commencé. Moi aussi. C'est quand j'ai commencé à voir un port et tout. J'ai fait, il a fait un port, le mec. Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que. Ouais, je l'ai fait vite, il était plus 5, il était en 2 tours. Ah, mais je comprends, mec. Il faisait 5 de science aussi, je me suis dit, au moins, ça, si la game se continue. Ouais, ok. Mais vraiment, je pensais te opener en fait. Genre, je pensais pas que la game irait jusqu'au shipbuilding pour te tenir. Ok. Donc, 1 contre 5, Lège, Norvège gagne contre Firsos, Maori. C'est bon, j'attends la validation. Et on jouera contre Malm, donc je crois demain. Demain, c'est contre Malm, donc on verra qu'est-ce qu'il fera comme first pick. Je pense que ça se passera bien, en tout cas. On verra s'il pique Maori. On verra. Si tu le laisses, je pense que oui. Hein. Ah ouais? Ok. Pas de doute. Pas de doute. Pas de doute. Si en vrai j'ai des doutes. Mais moi je prends la Maori. Toi tu prends Maori et tu settles une land. Ouais. Setup. Genre, j'ai vu la Maori et je me suis dit faut pas que tu te fasses bait. Tu vas une land et tu restes tranquille. Sauf qu'il n'y a pas de quasi land, genre toutes les cases elles sont costales là. Ah bah sur la Maori oui. Et à gauche il y a Nalanda. Genre il y a un bout de terre qui dépasse et il y a Nalanda. Et du coup, ça, je me trouve obligé de... Bah, il y a un riz, là. Je vois un riz à côté du lac. Ah, j'ai spawn en bas. Tout en bas. Dans la toundra. Enfin, dans t'as spawn en bas? Ok. Et t'es monté et t'as vu les cases de culture et t'as fait waouh. Non, non, tour 1, je voyais les merveilles. J'étais en dessous. Ah, d'accord. Comme quoi, hein, Maori... Ouais, je voyais les trucs de Dalanda et la merveille tour 1. Donc, j'avais le choix entre... Aller dans l'inconnu, c'était le tour 10 une lande ou c'était le tour 2 sur une merveille? Bah apparemment t'as... Moi j'ai fait le mauvais choix. Apparemment t'as fait le mauvais choix.
Y a Malm qui va faire des push missionnaires apparemment. C'est vrai qu'il a gagné comme ça. Chandra Gupta, j'ai vu ça tout à l'heure contre Cataclysme, si j'ai pas de bêtises. Donc assez rigolo, il a fait une death du feu avec 42 fois par tour. Et il a envoyé des missionnaires sur le land adverse avec Exode des évangélistes. Le beau jeu, hein, comme d'habitude. C'est ce qui nous caractérise sur CFR. Et merci MJK. MJK ! Merci mec, 22e mois d'abonnement. T'es vraiment le bro en fait. Tu vois, par rapport à Firsos, qui n'a même pas envie de cliquer sur l'OP Red Shadow Legend. C'est ouf, hein. Mais Donc on le bully et en plus on le bat sur Civilization, mec. Je vais le faire, mais pas ce soir. Pas ce soir ? Ok. Ok, non mais... Ce soir. Faut que tu penses à autre chose. Je vais le faire au moment où tu t'y attendras le moins. Ok, ça, j'ai l'impression que tu vas pas le faire quand tu dis ça. C'est un anarchiste, ah ouais. Zadiste, marxiste. Ah putain, pire. Ouais, ça c'est tout moins ça. C'est pas plutôt 5v1 qu'il faut mettre On le connaît bien, MJK. Bah mec, je pense. Bon, je vais aller manger moi. Ouais, bah voilà, bon appétit mec. Ouais, GG. Tu me fais trop rire. Énorme game. Ouais, GG, ouais. Super, c'était vraiment top. J'ai tellement le seum. Genre, j'avais envie de prouver des choses. Alors... J'avais envie de sim, là. Ah, t'avais envie de faire garde sim, mais mec, prends pas ma oreille, qu'est-ce que tu crois? J'avais envie de faire garde sim, mais... Tu mets passif de 1v1, je t'apprends. Ouais, bah j'aurais pris... Moi, si tu prenais pas ma oreille, je prenais ma oreille. Bah oui, je te laisse pas ma oreille. Bon, bah voilà, tu te fais baise du coup. Ouais. Ouais, en plus, t'as perdu en militaire, mec. Pfff. Écoute. Non, mais mec, tu pouvais rien faire en vrai. Et on se refera un petit 1v1 off stream et tu me battras, t'inquiète pas. Ok. Je te fais des bisous, bon appétit. Bisous, mec. Bisous. Hello Under. I work close to Diamonds and season ended. What? Diamond in what game? Did you download Red Shadow Legend Under? How many guys are you? Contributor 5. Good. Good, good, good. 50. 50 is good. We lack 80 people. 80. 80. Yes, because level 3 palier is 125. So it's okay. Moi, je vais prouver un truc dans ces match-up 1v1, dans ce tournoi 1v1. C'est que... Yes, English stream. Il a la haine, le poteau. Mais non, il a pas la haine. Il fait un peu genre et tout, mais... Il a pas la haine, il est juste deg. Il a de super, en fait. Je joue contre l'aide, je voulais faire une petite guerre de sim pour prouver que je suis peut-être le meilleur en sim. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai la haine de ouf, il a pas la haine. Mais je comprends ce que tu voulais faire. Tant pis. Tant pis, c'est pas pour aujourd'hui. Et ça s'est pas passé comme ça, quoi. Mais j'aurais bien voulu faire une guerre de sim contre toi. Je pense que tu es très très fort en sim, Fifi. C'est vrai que sur CFR, je value bien le sim de Asticos aussi. Fifi, ouais. Après, il y a plein d'autres gens, évidemment, mais... C'est vrai que ceux des joueurs sont particulièrement bons en sim. T'inquiète, Firso, c'est mieux. Mais bien sûr, t'es le meilleur, Fifi. Xifi, t'as DL, Red Shadow Legend ? Tu Red Shadow ? Je crois que tu t'es trompé dans ton report, t'as mis 5v1 alors que Firsos c'est 5 et toi 1. Il me semble que pour l'ordre, c'est l'ordre importe. Mais je sais pas, les gars. Merci Xifi, merci beaucoup. Et t'inquiète pas que. Il y aura le tiki qui sera payé. C'est chaud, c'est ouf cette game en vrai. En vrai, cette game est incroyable. Parce que je pose mon settle B2 dans Stavanger tellement tard. Tellement tard. Je fais des bons trucs, hein. Je trouve que urbanisme, bah voilà, hein, c'est genre bon bah les gars, on va faire de la prod, on va faire des petits bateaux, hein, sans la carte, 3 tours, let's go. C'est pas un souci. On met la pression sur un pongo, on l'oblige à refaire des galères, on en perd 3. Osef, c'est one turn. Pas grave. De toute façon, tout ce qu'on veut, c'est shipbuilding et aller sur l'autre. Ah, j'étais obligé de faire un détour sur archerie à un moment. J'étais là, si j'ai pas des archers pour enlever les chevaux, c'est mort, c'est sûr.
Et heureusement que j'ai eu cette petite mine là. Ah, quand j'ai vu la mine, j'ai fait yes. Dans ma tête, yes. Parce que de base, j'avais pas pensé à aller piller Mascate ou quoi que ce soit. Il y avait Jérusalem. Et avec Jéru, je me disais, hop, petite pression religieuse qui est multipliée. Vos villes possédant un lieu saint exercent de la pression comme si elles étaient des villes saintes. Pression religieuse x4 pour toutes les villes dans un rayon de 10 cases. C'est-à-dire qu'avec une autre ville avec un lieu saint, on aurait eu deux villes saintes. Ça aurait été beaucoup. Les falaises protégeaient ton colon. Oui, les falaises protégeaient mon colon, exactement. Et tu voulais que je me mette où? T'as tellement hâte de me consoler avec un ticket ouvert la piscine, mais mec. On va pas vous montrer, j'espère qu'il vous a pas montré les photos, même. Mais là. Il y a un truc, ça a l'air d'être bien quand même. Au début, on pense que tu vas juste prendre sa ville, au final, tu vas direct sur la cape. Ah ouais! Pas le temps de niaiser, hein. Au Pongo, Zef, en vrai. Qu'est-ce que c'est que cette ville là? Ça m'avantage rien, cette ville! Moi, je veux juste la cape. Donnez-moi la cape. Et j'étais quasiment sûr qu'elle était. Qu'il y avait deux cases d'ouverture. Je l'avais pas vu, mais j'étais quasiment sûr. Quand je vois les frontières ici, alors que je sais que là, il y a un poisson. Donc là, il y a un poisson. Je me dis qu'on n'est pas directement justement sur la cape et qu'il y a un truc ici. Je vois les cases costales ici. Je me dis, bon, forcément, c'est soit trois cases, soit deux cases. Voilà. Avec les frontières que je vois, je me dis, normalement, il y a deux cases d'ouverture. Poser des photos, je veux juste savoir où c'est. Ah, mec! C'est dans le sud. Non, il n'y a pas de photo, mec. Est-ce que je joue à Shadow Legend? Bien sûr. Voici la maigre contribution, GG pour Agam. Merci, petit Eucalyptus. C'est pas une maigre contribution, c'est une contribution. Et je te remercie beaucoup de ton soutien, mec. Xephy vient juste de finir le tutoriel. Il y a Murta qui vient de s'enregistrer. Il y a Faust qui vient d'accéder au niveau 10 comme 420 beau jeu numéro 6. Merci à toi, mec. Je vous rappelle que les gens qui feront le plus, justement, de Reach, level 10... verront payer à manger ce soir. Voilà. Et pour l'instant, je crois que c'est 420 beaux jeux. Biswep, numéro 4, qui vient de s'enregistrer. Angel Shade vient de se enregistrer aussi. On a Axel Angel, qui vient d'arriver niveau 10 comme Biswep numéro 3. Plein de gens, tout simplement. Donc, je vous invite évidemment à continuer à cliquer sur Red Shadow Legend de l'DL et de me soutenir, évidemment, financièrement parlant, gratuitement. C'est plutôt simple. Bon, on va attendre un petit peu. À 8h pile, on a un training. Donc du coup, on va pouvoir tout simplement partir maintenant sur Red Shadow, retourner sur Red Shadow et nous arriver au niveau 10. Parce que c'est ça la vérité, nous on l'a pas encore. Après, on peut continuer de parler un petit peu de Civ. Hein. Si vous avez des questions sur la game, etc. C'est une game, et en vrai, pour un joueur comme moi, ça fait déjà deux games qui se finissent avant le tour 40. C'est assez incroyable. Il n'y a pas de mid-game actuellement dans mes games. C'est Battleship ou Unité T1. Rien d'autre. On veut du chiffre, on est complètement con. On veut du chiffre. Si je gagne, tu me payes pas à bouffer, tu me payes Civ. Je te paye Civ. Je peux te payer Civ, mec, si tu veux. Ok. Je vous paye Civ. Voilà. Pas de problème. Ça sera. Je t'enverrai une clé, etc. Aucun souci par rapport à ça. Du coup, game à 20h. Oui, j'ai dit oui. J'ai dit oui, c'est bon. Tu te dis quoi quand il a settle B2 sous ton nez? Oh, j'ai dit que c'était chiant quand même, parce que si j'avais arrivé à settle justement à cet endroit-là, je pense que j'avais auto-win en fait. Parce que je mettais juste des landskip sur lui, et à shipbuilding, c'était mort. Il allait pas pouvoir faire de cavalier, etc. Je contrôlais mes côtes, tout bordel, parce qu'on avait dit, hein, T1, bon, le seul truc qu'il peut faire véritablement, c'est aller settle inland, faire des chevaux, etc. Donc nous, dans la réaction, c'est faire 2-3 landskip, essayer de scouter un petit peu toutes les cases côtières, récupérer les différentes huttes, partir archerie après avoir fait astrologie, mettre un lieu saint plus 4 et puis voilà quoi. J'ai pas vu la réponse. Yes, mec. On met pas le pantalon, mec. Je suis en t-shirt là.